Dans l'actualité ce soir, faire de l'emploi un levier de lutte contre le chômage et la pauvreté au Burkina. Le Conseil présidentiel sur l'emploi s'est réuni ce vendredi sous la présidence de Michel Kafando. La révision de la politique nationale de l'emploi est à l'ordre du jour de cette première au Burkina. Et puis pour les élections de dimanche au Burkina, les candidats à la présidentielle qui n'auront pas à considérer les préoccupations du monde paysan n'auront pas leur voix. Les organisations paysannes ont tenu à le signifier ce matin face à des candidats ou à leurs représentants. On en parle dans ce journal. Au lendemain de l'accident de Karangasso-Vigué dans la province d'Oué, le Burkina est toujours sous le choc. 22 morts et 8 blessés, le minibus en partance pour un village de la région a fini sa course dans un barrage. Dans cette édition, les images de ce drame qui endeuille le pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Burkina a mal à sa jeunesse qui peine à trouver de l'emploi. Un casse-tête pour les gouvernants, mais aussi pour les autres acteurs qui travaillent pour l'épanouissement de la jeunesse. Un conseil présidentiel existe désormais pour aider à réfléchir sur la problématique du chômage des jeunes au Burkina. Il est présidé par Michel Kafando, président de la transition. Ce vendredi dans la matinée, le conseil vient de tenir sa première session. Au centre des débats, la relecture de la politique nationale de l'emploi. Bouma Ernest Nebier, Alidou Badini. L'emploi des jeunes préoccupe le président du FASO et son gouvernement, d'où la tenue de ce tout premier conseil présidentiel sur l'emploi pour mener des réflexions profondes avec l'ensemble des acteurs du domaine sur la question. Une occasion pour le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi à l'ouverture de ce conseil de faire l'état des lieux de l'emploi au Burkina. Une situation pérennisante au regard du taux de chômage toujours élevé malgré les multiples efforts de l'État. Tout ce qui nous intéresse, c'est la question d'emploi durable. Donc la question, bien entendu, se pose avec acuité aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Nous essayons de faire ce que nous pouvons, et c'est dans le cadre de la transition, en appuyant aussi bien les jeunes diplômés que les jeunes non diplômés. Mais ce qui est fait est largement insuffisant par rapport aux attentes. Cette rencontre, qui est un signal fort de l'engagement du président du FASO, Michel Kafando, dans la lutte contre le chômage au Burkina, verra la relecture de la politique nationale de l'emploi et son plan d'action. Je fonde beaucoup d'espoir sur cette dynamique de relecture de la politique nationale de l'emploi, laquelle politique trouve déjà une oreille attentive auprès du gouvernement qui ne ménagera aucun effort pour l'atteinte du plein emploi au Burkina Faso. En marge de ce conseil présidentiel sur l'emploi se tient la session ordinaire du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle. Une rencontre dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. L'emploi, d'accord, mais il faut surtout une bonne dose d'intégrité pour l'assumer. Dans le classement des pays les plus corrompus dans l'espace Yomoua, le Burkina Faso tient le peloton de tête. Et pour renverser la tendance, les contrôleurs financiers souhaitent assainir le milieu des marchés publics. C'est pourquoi ils ont consacré leur 23e forum au thème de la corruption dans le secteur des marchés publics. À l'issue des communications portant sur le thème, les contrôleurs financiers s'engagent à se départir des mauvaises pratiques et à développer le sens des valeurs éthiques. Explication Ismaël Diloma Sirima, Consum Koulibaly. Nous, contrôleurs financiers du Burkina Faso, réunis à Ouagadougou les 24, 25 et 26 novembre 2015, prenons l'engagement de lutter contre la corruption dans le secteur des marchés publics au Burkina Faso. Un engagement pris lors du 23e forum des contrôleurs financiers. Ils veulent renverser la tendance qui fait du Burkina Faso le pays le plus corrompu de l'espace UEMOA. Pour ce faire, ils ont suivi une communication du Réseau national de lutte anticorruption pour apprécier l'état de ce fléau dans le secteur des marchés publics. Ils ont ainsi abouti à des recommandations. Les recommandations sont variées, ça va du domaine de l'amélioration des conditions de vie et de travail, parce que ça compte aussi. Et puis aussi du domaine du renforcement des capacités pour mieux connaître les dispositifs en vigueur au Burkina ici pour la lutte contre la corruption. Le ministre de l'Économie et des Finances a également ajouté que pour lutter efficacement contre la corruption dans le secteur des marchés publics,
les acteurs en amont, notamment les ministères sectoriels, doivent également s'engager. Eux aussi sont intéressés hautement par les marchés publics auxquels ils postulent régulièrement. Eux, ce sont les commerçants. Pour réussir dans le domaine, il faut bien des garanties. Un fonds de garantie commerciale existe désormais pour eux. La mise en place de ce fonds vise à faciliter l'accès aux prêts et aux fonds propres pour les commerçants. C'est le syndicat national des commerçants qui est à l'origine de l'initiative. Lundi dernier, les responsables du syndicat étaient à Waiguia pour informer les membres. Le résumé de la rencontre avec Alidou Sawadgo. La mauvaise organisation, la concurrence déloyale et l'influence des acteurs politiques sont entre autres les difficultés qui freinent l'épanouissement du commerce selon le syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe. C'est pour mettre fin à ces maux, réorganiser le secteur commercial et booster l'économie du pays que le Sinakombe a mis en place la Société coopérative de solidarité commerciale. C'est un truc qui va nous gérer nous-mêmes, les commerçants, les transporteurs, tous ceux qui ont les métiers rendables, de se lever, attraper ce travail en deux mains, puisque ça aille loin, parce qu'il n'y a pas un commerçant au Burkina Faso ni dans les régions du Nord qui ne va pas se bénéficier. Nous allons travailler de concert avec le ministère et les organes compétents tels que la Chambre du commerce, en sorte que tous les commerçants, même dans l'informel, soit reversé dans le formel, pour qu'on puisse suivre tout le monde. Pour l'occasion, le ministère de tutelle a encouragé les commerçants pour cette initiative qui va contribuer au développement du secteur. On souhaite véritablement que ce financement aide les commerçants non seulement à se formaliser et ensuite à se structurer pour, un grand impact, pour que ça puisse avoir un impact positif pour le développement de notre pays. La coopérative va disposer d'un fonds de garantie commerciale d'un montant de 100 milliards de francs CFA, issu de cotisation des commerçants. Ce fonds va faciliter l'accès des membres de la structure au crédit bancaire. Et avant de poursuivre cette information, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation, en particulier pour avoir assumé la responsabilité de chef de l'État pendant et à l'issue de la période insurrectionnelle et avoir eu une attitude républicaine en cédant le pouvoir aux civils, pour sa contribution au bon déroulement et au succès de la transition, le président du Faso a décidé d'élever le premier ministre chef du gouvernement, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, au grade de général de division. Et voici le décret est publié à cet effet. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la constitution, vu la charte de la transition, vu le décret du 18 novembre 2014 portant nomination du premier ministre, vu le décret du 19 juillet 2015 portant attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité, vu le décret du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu la loi portant création de l'armée nationale, vu la loi portant statut général des personnels des forces armées, vu la loi du 5 juin 2015 portant conditions d'avancement dans les forces armées nationales, vu le décret du 6 mai 2014 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, vu le décret du 30 novembre 2012 portant organisation et attribution de l'état-major général des armées, décrète. Article 1, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida du groupement central des armées est nommé au grade de général de division à titre exceptionnel pour compter du 26 novembre 2015. Article 2, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 26 novembre 2015, signé Michel Kafando. Au chapitre élections couplées du dimanche, une mission de parlementaires européens était chez le premier ministre Yacouba Isaac Zida. Elle est allée lui annoncer que la mission d'observation de l'Union européenne présentera son bilan officiel le 1er décembre prochain. On l'écoute son porte-parole. Le Premier ministre, il y a quelques semaines avant même qu'il y ait une date pour fixer pour les élections. Et cette fois-ci, c'était important de pouvoir parler avec lui,
du déroulement, c'est-à-dire du processus en cours. Mais je crois que ce qui nous intéressait, c'était d'écouter surtout ce qu'ils nous avaient à dire et de pouvoir faire noter aussi que, à ce jour, notre mission a pu déployer presque tous ses observateurs, donc 24 observateurs de longue durée il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on a déployé 48 observateurs de courte durée et faire connaître aussi tous les efforts qui ont été faits par notre mission, puisque au total, on aura 124 personnes avec 30 diplomates et une délégation des députés du Parlement européen qui, justement, était avec nous ici pour, chez le Premier ministre. J'en profite pour vous dire, on vous attend le 1er décembre, puisqu'on va présenter la déclaration préliminaire. À travers la déclaration préliminaire, nous sommes censés dire toute la vérité, tout ce qu'on a observé. Et je crois que ça serait intéressant d'être tous ensemble, puisque c'est dans cette déclaration préliminaire qu'on va parler de tout ce qu'on a observé. La présidente de la mission s'exprimait au micro de Céline Ilboudo. Bien avant chez le Premier ministre, la mission était, avait rendez-vous avec le Conseil national de transition. Avec le président Chérif Sy, il a été également question d'observation. Le point avec Draman Dadian. La mission d'observation électorale de l'Union européenne Burkina Faso 2015 intègre en son sein des parlementaires de l'espace européen. En marge de sa mission, cette délégation a tenu à rendre une visite de courtoisie au président du Conseil national de la transition. C'est très important puisque notre rôle, c'est celui de pouvoir analyser tous les éléments et tout ce qui se passe, mais aussi avoir des informations sur ce qui concerne justement le processus électoral. Donc cette rencontre pour nous était très importante. On était ici avec la délégation aussi de députés du Parlement européen. À la suite de la délégation de l'Union européenne, Moumina Chérif Sy a reçu des observateurs électoraux de la francophonie. Nous venons justement pour le suivi des élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Et nous avons été reçus par le président du CNT pour lui faire d'abord une visite de courtoisie et puis l'informer de l'objet de notre mission et faire un tour d'horizon des préparatifs des prochaines élections au Burkina Faso. Ces deux délégations vont déployer leurs membres sur l'ensemble du territoire national. Un travail qui devrait donner plus de crédit au processus électoral au Burkina. Et puis les élections du dimanche au Burkina suscitent un jeu engouement pour la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'impératif est de réussir l'organisation. Elle a mis donc en place un dispositif sur tout le territoire pour les compilations des résultats, ce qui va permettre une gestion en temps réel de leur publication. Ce jeudi, les responsables de la CENI étaient face au corps diplomatique accrédité au Burkina Faso pour lui présenter le fonctionnement du dispositif. Le résumé de la rencontre avec Hervé Ekabore et Mokhtar Ouedraogo. Barthélémy Kéré, accompagné des experts de la Commission électorale nationale indépendante, présente ici aux ambassadeurs et aux représentants des missions d'observation le dispositif pour la gestion des résultats du scrutin. Un dispositif qui comprend 368 centres communaux de compilation des résultats, CCCR. Ces CCCR sont chargés du traitement des données des 17 898 bureaux de vote installés et envoyés à la base ici à Ouagadougou. Avec les diplomates, les experts de la CENI ont ainsi détaillé toutes les étapes du système avec des cas pratiques à l'appui. L'objectif étant de leur permettre de prendre connaissance du dispositif et mieux comprendre le processus. Pour la CENI, ce dispositif va permettre un traitement à temps réel des résultats et peut être suivi en direct par tous les citoyens sur son site web et sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. La mission d'observation reviendra donc à chacun qui pourra juger de la crédibilité des résultats. Ce dispositif, qui a coûté un peu plus de 650 millions de francs CFA, a été possible grâce aux partenaires tels que ISA IFIS, SES et le PNUD. Grâce à ce dispositif, la CENI compte livrer des résultats probants à jour J+1 des élections couplées.
Et puis cette information pour poursuivre, le gouvernement annonce la fermeture des frontières terrestres à compter de ce vendredi à partir de 18h et ce jusqu'au 1er décembre à 6h. Ces élections mobilisent des observateurs de l'Église catholique à travers le CADES qui entend y contribuer à travers le déploiement d'une cinquantaine d'hommes dans l'est du Burkina. Ils viennent de recevoir une formation pour mener à bien leur mission. Lambert Soma nous en parle. Venus de toutes les paroisses que compte le diocèse de Fadangourma, ces 12 superviseurs et les 36 observateurs ici réunis renforcent leur capacité dans l'observation des élections à travers cette formation. Nous attendons que ces derniers, après avoir acquis les connaissances donc en matière du code électoral et de la constitution, et sur comment ils doivent effectuer la mission d'observation, qu'ils puissent aider le Burkina Faso a conduit des élections transparentes et apaisées. Les superviseurs et les observateurs du diocèse de Fadangourma entendent pleinement s'investir par une participation citoyenne responsable. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait et que nous avons eu la lumière là-dessus. Et cela va nous permettre de vivre notre foi et notre vie de citoyen au sein du Burkina Faso. L'OCADES Caritas Burkina, initiatrice de la présente formation, espère pouvoir inculquer des valeurs telles que la cohésion sociale et l'éducation de la jeunesse au-delà de cette période électorale. À Dédougou dans le Moun, une formation similaire a pu réunir également une cinquantaine d'observateurs qui agiront au compte de l'Église catholique. Eux aussi ont été formés, c'est ce que nous dit ici Paul Sawadougo sur place à Dédougou. La mauvaise organisation, la concurrence déloyale et l'influence des acteurs politiques sont, entre autres, les difficultés qui freinent l'épanouissement du commerce selon le syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe. C'est pour mettre fin à ces maux, réorganiser le secteur commercial et booster l'économie du pays que le Sinakombe a mis en place la Société coopérative de solidarité commerciale. C'est un truc qui va nous aider, nous-mêmes, les commerçants, les transporteurs, tous ceux qui à les métiers rendables, de se lever, attraper ce travail en deux mains, puisque ça aille loin, parce qu'il n'y a pas un commerçant au Burkina Faso ni dans les régions du Nord qui ne va pas se bénéficier. Nous allons travailler de concert avec le ministère et les organes compétents tels que la Chambre de commerce, en sorte que tous les commerçants, même dans l'informel, soient reversés dans le formel, pour qu'on puisse suivre tout le monde. Pour l'occasion, le ministère de tutelle a encouragé les commerçants pour cette initiative qui va contribuer au développement du secteur. On souhaite véritablement que ce financement aide les commerçants non seulement à se formaliser et ensuite à se structurer pour, un grand impact, pour que ça puisse avoir un impact positif pour le développement de notre pays. La coopérative va disposer d'un fonds de garantie commerciale d'un montant de 100 milliards de francs CFA, ici de cotisation des commerçants. Ce fonds va faciliter l'accès des membres de la structure au crédit bancaire. Un élément sur le fonds de garantie des commerçants. Toutes nos excuses pour cette intrusion. Arrêtons-nous à présent sur quelques interrogations concernant ces élections. Pour qui voter, comment reconnaître le meilleur candidat? Pour répondre à ces questions, une association donne rendez-vous sur sa plateforme Objectif 07. C'est un outil qui permet aux électeurs de découvrir le programme des différents candidats en liste pour la présidentielle et ce, à travers un test comparatif. Moukoun Dabiré était au lancement de la plateforme, son compte-rendu. Choisis le candidat à même de répondre aux aspirations du peuple burkinabé. C'est ce à quoi vise la plateforme Objectif 7. En effet, cette plateforme regroupe des informations essentielles relatives au programme de chacun des 14 candidats en lice pour l'élection présidentielle. Pour les initiateurs, l'outil offre un test de profil électoral aux électeurs en vue de découvrir lequel des candidats incarne le mieux leur vision. Sur la plateforme, le questionnaire que nous proposons a été soumis à chaque parti et candidat dont les réponses sont déjà enregistrées sur la plateforme. En tant qu'électeur, lorsque vous répondez aux mêmes questions, le site montre les points d'accord et des désaccords d'opinion
entre vos réponses et celles des partis et candidats pour une comparaison facile à comprendre par tous. Il s'agit d'une nouvelle approche dans la sensibilisation et d'aide au vote pour une culture démocratique. Pour les organisateurs de cette conférence de presse, le Burkina Faso symbolise l'espoir d'une vraie démocratie en Afrique. Ils disent donc œuvrer pour qu'au sortir de ces élections présidentielles et législatives, le peuple burkinabé est le meilleur des présidents qu'il soit. Emmanuel Yamego a donc invité les électeurs à tester le programme des candidats sur le site www.7pbf.com. Je vous le disais en titre, les candidats à la présidentielle qui n'auront pas d'égard pour les préoccupations du monde paysan ne bénéficieront pas des voix des paysans. Ce 26 novembre, des organisations paysannes ont soumis les candidats ou leurs représentants à un grand oral devant un parterre d'observateurs composé de partenaires techniques et financiers et d'organisations paysannes. Jérôme Tiendré-Beogo, Jean-Victor Ouédraogo. Pour 14 partis en course pour COSIAM annoncés à cette rencontre, seulement 4 ont répondu présents à l'appel des organisations paysannes, le PARAN, l'UPC, le MPP et l'AGIR. Le premier objectif, c'est que le monde rural puisse échanger directement avec les candidats au présidentiel. Deuxième objectif, c'est que le monde rural puisse connaître les projets de société de chaque candidat. Chaque représentant de parti a eu 15 minutes chrono pour expliquer aux représentants des organisations paysannes les grands traits de la politique agricole de son candidat pour les 5 prochaines années, qui devra tenir compte de l'immensité et de la diversité du monde rural. Il faut que le président à venir nous soutienne beaucoup. Les femmes ont besoin beaucoup de crédit, beaucoup de soutien pour leur commerce, pour leur production et surtout beaucoup de terrain pour pratiquer l'agriculture et des hectares pour faire l'élevage. Même s'il n'avait pas pris en compte les préoccupations des agriculteurs dans son programme, qu'il puisse l'intégrer et signer et nous retourner ça pour qu'on puisse le suivre au cas où il sera élu. Des préoccupations du monde rural déclinées en 12 points ont donc été remises au candidat présidentiel par le réseau des organisations paysannes et syndicats agricoles du Burkina. Mal gérées, les élections peuvent conduire à des conflits communautaires, notamment des conflits électoraux. Et pour prévenir de façon générale les conflits communautaires, un observatoire travaille au quotidien à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Ce 27 novembre à Ouagadougou, l'observatoire vient d'achever un atelier pour voir comment promouvoir une résolution pacifique et structurelle des conflits au sein des communautés. Le point avec Céline Ilboudo. Le Burkina Faso est confronté ces dernières années à des conflits communautaires liés au foncier, à la chefferie traditionnelle et entre agriculteurs et éleveurs, d'où l'adoption en septembre dernier du décret portant création, attribution et fonctionnement d'un observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Cet atelier vise donc à faire connaître cet observatoire aux différents acteurs intervenant dans la prévention et la gestion des conflits. Il faut que nous préparions des mécanismes pour nous aider d'une part à prévenir ces conflits-là en évitant et notamment les conséquences dramatiques de ces conflits comme il nous est donné parfois de le constater à travers des morts d'hommes, des déplacés, des déplacements de populations, etc. Donc c'est tout l'enjeu de la mise en place de l'observatoire et qui vise à faire de ce mécanisme-là et une structure à même de contribuer efficacement à la prévention et à la gestion structurelle des conflits communautaires en fédérant les efforts de l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent déjà dans ce domaine-là. L'atelier national de présentation de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires se déroule en une journée et est marqué par une série de communications sur l'état des lieux des conflits communautaires et sur la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso. On l'annonçait hier, un minibus transportant des passagers a terminé sa course dans un barrage près de Karangasso-Vigué, dans la province du Houé. Une vingtaine de morts et environ une dizaine de blessés. Les victimes se rendaient à Nako pour des obsèques. Le témoignage de Mouni Barou. Kibalogo
un village situé dans la commune rurale de Kangosovigué. C'est là qu'il a vu les 22 passagers, dont un nourrisson en provenance de la Côte d'Ivoire, s'est arrêté dans ce barrage aux environs de 16 heures à la date du 26 novembre 2015. Dans ce drame, 8 personnes en tuent la vie sauve et s'en sortent avec quelques blessures légères. Le conducteur de minibus en cause dans cet accident a, semble-t-il, perdu le contrôle du véhicule qui a malheureusement fini sa course dans l'eau. Les informations pour l'heure que nous avons, c'est que les victimes sont pratiquement d'une même famille, voilà, de la zone de Nako, semble-t-il, et qui se rendaient pour des obsèques. Bon, malheureusement, voilà, ils vont pour des obsèques, eux-mêmes, finalement, ils deviennent... Bon, ben, il semble que la famille a décidé de dépêcher, en tout cas, un autre cas de transport pour pouvoir voilà, faire le transfert des corps. Les sapeurs-pompiers arrivés sur le lieu se sont rapidement lancés à la recherche des victimes. Et grâce à leur savoir-faire, ils ont pu dégager le véhicule qui se trouvait à 50 mètres de la berge. Nous avons reçu notre premier appel de demande de secours aux environs de 15h57. Rapidement, nous avons déployé des équipes sur le lieu. Et lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, le véhicule était plus en profondeur, à 50 mètres environ de là où il est. Donc avec nos équipes de plongeurs professionnels, nous avons donc effectué donc des recherches rapidement et nous avons pu pêcher au fur et à mesure les 22 corps. Pour l'instant, les causes exactes de l'accident ne sont pas connues, certainement. Les jours à venir, les enquêtes seront menées pour situer les responsabilités. Et puis au Nigeria, des dizaines de morts après un attentat suicide lors d'une procession chiite. Un kamikaze s'est fait exploser jeudi au milieu d'une procession de musulmans chiites à Dagasoi, village situé à 20 km de la ville de Kano, au nord-est du Nigeria. Il y aurait des dizaines de morts selon les organisateurs. Attentat meurtrier au Nigeria, un kamikaze s'est fait exploser vendredi en début d'après-midi au milieu de la foule à l'occasion d'une procession de musulmans chiites. L'attaque suicide s'est produite dans le village de Dakasoye, à 20 km au sud de Kano, dans le nord-est du Nigeria. Les organisateurs de la procession évoquent des dizaines de morts. Un deuxième kamikaze a été arrêté avant qu'il ne déclenche son explosif. Et puis à l'étranger, en bref, en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo est physiquement et mentalement apte à participer à son procès, estime la CPI, la Cour pénale internationale. Les experts ont souligné une grande amélioration de l'état de santé de M. Gbagbo et observent qu'il ne souffre plus du syndrome de stress post-traumatique et du syndrome d'hospitalisation, a indiqué ce vendredi la juridiction internationale. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devant la CPI pour crimes contre l'humanité doit s'ouvrir le 28 janvier 2016. En littérature, la 13e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou vient d'ouvrir ses pages hier dans l'après-midi. Après deux éditions manquées, la biennale consacrée au livre se tient sous le thème de la place des acteurs nationaux du livre dans l'organisation de la philo. Cette année, l'innovation majeure est l'institution d'un grand prix national de la littérature. Abdelaziz Yadiou. Entre les pages de ces livres, de quoi développer des facultés intellectuelles à même de contribuer efficacement au développement d'une nation. Des œuvres scientifiques, des livres pour le divertissement, la littérature dans toutes ses dimensions. Une passion de ces hommes de lettres venus d'une dizaine de pays d'Afrique. Au centre de leurs préoccupations, la promotion de la filière du livre à travers cette vitrine qu'est la 13e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo. Et il faut que ces acteurs-là se sentent de plus en plus impliqués parce que nous avons un problème dans cette filière, n'est-ce pas, du livre. C'est les difficultés à ce que cette industrie culturelle puisse vraiment se développer. Deux amoureux des lettres et des arts sont à l'honneur à cette fête du livre. L'écrivain Jacques Bourema Guengané et Mamoudou Ouédraogo, celui-là même qui, en ses qualités d'ancien ministre en charge de la culture, a porté la philo sur les fonts baptismaux en 2000. La philo est née dans un contexte qui pouvait être a priori défavorable dans un pays où il y a beaucoup d'analphabétisme. Donc, et où il n'y a pas vraiment une habitude ancrée de la lecture. Et pourtant, on se rend compte que d'année en année, d'édition en édition, il y a beaucoup plus
de lecteurs et de lectrices. La philo a fait un parcours exceptionnel et elle mérite d'être encore plus soutenue. Une nation qui lit est une nation qui gagne. Conviction des promoteurs de la philo qui souhaitent voir l'exécutif développer une politique soutenue en matière de livres et de la lecture. Le gouvernement, en tout cas, est prêt à les accompagner. Au cours de cette foire, il y aura donc des panels, des réflexions seront menées et les recommandations qui seront issues donc, de ces panels-là, en tout cas, le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, va travailler afin qu'on puisse, en tout cas, venir à bout des difficultés qui sont rencontrées. La 13e édition de la philo prévoit une innovation majeure. La récompense des œuvres éditées au Burkina par un prix littéraire d'une valeur d'1 million de francs CFA et la remise de prix spéciaux. Et pour refermer ce journal, les parutions de ce vendredi tentent un bilan de la campagne électorale qui s'achève à minuit. Revue de presse signée Aimé Soulange Guigma. Du contenu des promesses des candidats à l'observation des élections du 29 novembre, en passant par des appels aux urnes, les journaux de ce 27 novembre 2015 passent en revue la campagne électorale qui prend fin ce jour à minuit. L'observateur Palga note que le cri de ralliement post-insurrection, plus rien ne sera comme avant, ne s'est pas vraiment appliqué aux présentes joutes qualifiées de ternes et de moroses par de nombreux observateurs qui doutent de la qualité du personnel politique. Même pour ceux qui ne peuvent gagner, une élection est toujours un brassage d'idées. Malheureusement, précise ce journal, en l'espèce d'aucuns auront surtout brassé du vent. Cependant, relève aujourd'hui au Faso, c'est un grand pas que le Burkina est en train de franchir dans la conquête d'une démocratie véritable où la volonté et l'expression du peuple sont réellement respectées. Jusqu'à présent, souligne ce journal, aucun candidat ne pipe mot sur une quelconque tâche sur l'impartialité des organisateurs de l'élection. Notre temps indique en outre que ces élections seront suivies par une foultitude d'observateurs venant de partout. Ils sont par ailleurs ceux qui sont prêts à contester, à faire sortir leurs militants déjà en amont pour observer. Qu'ils le fassent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Car, explique-t-il, la République et les valeurs démocratiques sont à préserver par-delà tout ce qui pourrait se passer. Ceci dit, lance l'Express du Faso, avec nos cartes d'électeurs, allons désigner ce dimanche 29 novembre ceux que nous voulons pour nous gouverner les 5 prochaines années. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.